1, 2. Ah putain, mais je pense que c'est avec la mise à jour. Mais oui, c'est avec la mise à jour de Windows 11 de merde là qui m'a désactivé le micro, c'est pas vrai. Putain, quel bolos quoi. Est-ce que le son est pas trop fort? Bon, de toute façon, je suis parti pour me dire que ça va bien se passer. Céleste. Merci pour le compliment. Bon, promis, je vais pas rager hein, dans ce jeu de mort. Grimper. R8. J'avais déjà commencé une partie. Ah, j'ai peut-être continué celle-là. Putain, 250. Oulala. Je vais peut-être reprendre la partie parce que c'était une partie que je crois que j'avais commencé sur un jeu pop. Vas-y, je reprends celle-là. Faut que je me souvienne. Et touche par contre. Et je grimpe. Oui, d'accord. Il y a le dash. Non! Connasse. Mais quel connasse. J'ai dit que j'allais pas rager. C'est faux. Je me suis trompé de bouton. Connasse. Ah si oui, tiens donc, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je suis contente que tu sois encore mais putain, pourquoi j'ai du mal à lire là? Je suis contente que tu sois encore en un seul morceau. Je vois que tu as réussi à franchir l'hôtel. As-tu rencontré Monsieur Oshiro? Ah oui, l'hôtel, c'était l'enfer. Ah ça, on peut dire que je l'ai rencontré. Il m'a chassé de là-bas. Alors que j'avais plein de ménage pour lui. Ah, on dirait que tu t'as misé ce matin. Oshiro est une âme perdue, ma chère. Cet endroit est plus qu'un simple hôtel pour moi. Oui, j'avais bien compris. Tu devrais l'oublier. Oui, bien sûr. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette montagne nous a rendus fous tous les deux. Tu sais, tu n'es pas la première personne à dire ça. Tu as peut-être raison. Comment savoir si je suis folle? Selon moi, la montagne ne peut faire ressortir que ce qui existe déjà en toi. Ah. Et il faut déjà être un peu fêlé rien que pour venir vivre ici, pas vrai? Putain, j'ai chaud sous cette coiffure. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, je radote comme la vieille bique que je suis. Es-tu prête à abandonner? Je connais un raccourci qui te ramènera à ta voiture. Jamais de la life. Ne comptez pas, madame. J'irai jusqu'au sommet. Il est parfois difficile de faire la différence entre obstination et détermination, n'est-ce pas? Faut penser à moi quand j'étais jeune. Ouais, allez, nique ta race. Ah oui, alors là, il y a le vent. Là, le vent, je crois que c'est l'enfer.
tueuse. Mais comment je vais la jouer là? Je prends pas les vies. Oui, alors c'est débloqué. J'ai pas pris la fraîche, je m'en fous. Ah, connard! Ah non, mais c'est pour la fraîche, je m'en fous de la fraise! Ah putain, la maîtrise. Merci Warthox pour le lurk. Non! Connasse! Putain, j'ai grindé sur la rampe. Oh la pas! Attends, oh putain! Oh putain, ça grand. Non, c'est bon. Putain, ça m'a fait stresser ce jeu de merde. Connaissance. Ah, mais les cheveux font. Attends. Mais non! Je vais essayer de voir déjà si j'arrive à choper le truc. Ah non, attends, je vais essayer un truc. Non! Putain, la coordination, c'est l'enfer. Mais non. C'est un sketch. Comment dois-je faire? Je ne comprends pas. Merde! Une fois, je mange. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Je m'en fous. Je fais pas les trucs compliqués chiants. Aïe! Ah putain!
Ah mais je suis fait mal au nez. Putain, j'espère que c'est pas pour des fraises non plus. Ah! Et comment dire? Comment dire, c'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Oui, d'accord. Ouais, bah non, mais j'ai. Passe. Vite! Attends, attends, j'ai un truc que je comprends pas. Non! Je sais, j'ai. Ouh putain, je me suis gouré de boutons. Je vais y arriver. J'y crois à mort. C'était un pic. Non, putain, j'aurais dû me réussir. Oh, j'en peux plus déjà de ce jeu. Ça fait même pas 10 minutes. Ok. Oui, bah lâche. Ok. Là, il est un peu gratos, la frère. Eh, mais il faut que je remonte. Hein? Attends, je vais réussir. Ça va le faire, ça va l'effectuer. Merde! Oh, quel coup! Non! Et touche! Oh les pas putain de ça. Ah oui. Non vas-y, je vais l'abandonner, hein, parce que c'est quand même juste pour une fraise. Mais alors attends, il faudra m'expliquer un truc, c'est que y a un chemin au monde de mort. Ah mais comment je le fais, Jean-Michel? Ah! Non mais attends, c'est que pour des fraises là, c'est que pour des fraises. La raison de vite, c'est de monter, là. Putain. Mais saute! Bah, c'est bien. Pardon? Ah mais oui, mais attends, je peux le déplacer. Non, je sais pas.
Mais merde, c'était pour une fraise. Inatteignable. Mais attends, je comprends pas où je dois aller en fait. Monsieur l'arbitre. Les connasses. Comme ça là, j'espère que ça se passe là-haut là. Alors. Ah, je sais. Non, je sais pas. Je suis perdu. Les fraises quand même. Sketch. Allez mon petit bonhomme. Non. Kind of fuck. Là je peux remonter, là je suis bien d'accord. Là, il faut m'expliquer. Bah oui, je sais qu'il faut que j'aille là. Mais comment je fais? Attends, mais il faut que je le fasse avec ce bloc là, c'est pas possible. Oh là là, je suis déjà coincé. Qu'est-ce que c'est que ce sketch? Caché, c'est pas possible. Mais monsieur l'arbitre, je suis coincé. Le foot. Le foot. Je suis coincé là. Inatteignable. Inatteignable. Et le truc c'est que je sais pas comment l'atteindre. C'est la même chose, attends. Coincé. Du coup là c'est. La porte elle se ferme pas, okay. Qu'est-ce qu'elle m'a fait cette connasse? À peu près sûr que c'est ça et qu'il faut que je récupère plus de trésors. Sketch, arrêtez là. Voilà, voilà, c'est fait. J'ai tout fait là, j'ai tout fait, monsieur l'arbitre là.
Quel est le but de ma vie, s'il vous plaît? J'ai pas tout fait. Mais j'ai vraiment tout fait, comment je monte là-haut? Ah, attends, il y a peut-être... Oh, connasse. C'est chelou, cette histoire. Ah non, c'est inatteignable, c'est inatteignable. Qu'est-ce que c'est que ce jeu pourri, là? Il y a une belle musique, mais c'est pas jouable. Quelqu'un pour m'aider là? Mais c'est pas possible! Je vais regarder sur la table. Je me retrouve comme un con là! À sauter comme un Gaulien là! Regardez sur internet, je suis désolé, je regarde sur internet. Je sais même pas où je suis. Céleste. Solution. Je crois que la dernière fois, j'étais comme ça aussi. J'ai tellement chaud là, sous ses cheveux. Strawberry, Céleste Resort. Golden Ridge. C'est des vidéos. Oh là là, ça marche pas ce site. Platformer hardcore. On est bien d'accord. Bah non, je peux pas le diriger, le gros cube. Celui-là, il va que de haut en bas. Putain, j'ai enlevé les lunettes. Quand même dingue, là. Je me retrouve comme un bolos. Je crois que c'est chapitre 3. Non, chapitre 3. C'est une vidéo. Putain, je sais pas si je l'ai fait cette partie. Non, je l'ai pas fait. Oui, ta gueule. Mais comment? J'ai tellement chaud. C'est légèrement avant, je crois. Bah oui, c'est très weird. The arrows, non, écoute. Je ne comprends pas. Je suis coincé. Ah putain, c'est vachement plus fort. Et oui, moi j'aimerais bien aller là. Non mais attends, il doit y avoir une logique là. J'ai tellement chaud. Moi je pensais à un truc comme ça, mais c'est pas possible. C'est forcément le cube, hein, mais le cube, je peux pas le contrôler. Ah, à moins que... Ah putain! Sans se mettant sur le fucking côté, j'ai trop le seum. Oh là, j'ai fait toutes les fraises pour rien, ça me servait à rien les fraises. Ouais.
être ailleurs là. Ah, ok. Connasse. Ah. C'est un peu quand il veut en fait hein. Il a envie de descendre quand il veut descendre. Mais alors du coup là il y a moyen de pas prendre le plus. Oh putain c'était chaud hein. C'est quoi ce saut de l'ange de l'enfer hein. Godit, ça rentre pas là. Fucking genius. Non. Connard. Bah oui, autant se suicider, c'est beaucoup plus rapide. Attends, il y a un truc qui s'active. Easy life, easy life. J'ai jamais poussé un seul instant. Ok. Non, non, non. Oh, t'es pas sérieuse. Ah, je vais être niqué sur ce coup-là, mais j'avais le coup, putain. Okay. Allez, allez, vas-y, prends un tableau. Là. Bien sûr. Chier là. Ah, j'ai tenté un truc de ouf. J'ai. Ah la conne. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de choper la fraise là. Oh non, vas-y, coordination des mains. C'est un sketch. Putain, j'avais revanche. Mais saute! Absolument pas tendu. Voilà. C'est bon. Ok. Ah.
me suis pas accroché. Mais les yeux, ça me fait des petits guillis. Putain, vas-y là. Oh, Nick. Mais... Je sais pas pourquoi j'ai fait de la merde en boîte comme ça. Mais je suis un connard, c'est pas vrai. Mais je suis mort, mais... J'ai chaud là. Attendez. Comment cette chose est possible là? Attends, il y a une coordination d'enfoiré à voir. Mais je peux pas avancer plus que ça. Ah si, si, j'ai. Ok, j'ai. Ok, j'ai. J'ai. Un fucking genius, je vous dis, je suis un fucking genius. Attendez, quoi?
Et putain. C'est pas possible, monsieur l'arbitre. Ah putain, c'était pour le vieux champ, putain de merde. Ok, oh putain, c'était chaud. C'est bon, JPP là. Oh la pute. Sketch là. Saute. Ah.
Ok. Oh putain, la boule de neige de bâtard qui roule. Alors attends. Ok. Ok. Putain, la chatte. Non. Là, j'ai les cheveux, là, j'ai les cheveux. Jamais plus, plus jamais ça. Attends, y'a un truc. Mais je vais te demander en haut. Le changement de direction au milieu là. Ok. J'ai fini le chapitre, j'ai fini le chapitre. Madeline, attends-moi. T'es qui? Ah oui, oui, je t'avais vu toi, il y a 4 mois, je crois. Dans le mille. Théo, tu vas bien? Arf, ouais. Minute. Mon dos, putain, mon dos. Une nacelle, j'ai toujours rêvé d'en faire. Elle n'a pas l'air toute jeune, hein, mais elle fonctionne peut-être encore. Je ne vois pas d'autre moyen de franchir ce gouffre, de toute façon. Allons-y! Je vais raconter ta vie. Ce lien avait l'air important. Ça marche à tous les coups! J'ai sûrement été pilote de nacelle dans une autre vie. Je crois que c'est sûr. Je suis sûr que tout ira bien. Comment ça s'est passé avec Oshiro? Tu avais raison, je n'aurais pas dû tenter de l'aider. J'aime pas rappeler que je te l'avais dit, mais... Ouais, ouais. J'aurais dû t'écouter, c'est bon. Tu n'es pas blessé, c'est le plus important. L'air est tellement rare à cette altitude. J'arrive à peine à respirer. Bon, si on faisait pas un selfie dans ce truc, on va le regretter. On voit même pas le sol à travers ces brumes. On est à quelle altitude? Moins de panique, plus de pause. Et bim! Ah! Qu'est-ce que c'était?
On dirait qu'on s'est arrêté. Aïe aïe, coup dur. Hein. Très mauvaise nouvelle. Peut-être que si je... Allez, allez, le levier. Ah. Bon, ça ne se passe pas bien. Ah oui, ça va. Non, ça se passe pas bien du tout. Madeline, ça va? Cette musique est trop bien. Ouais, c'est juste que... Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à respirer. Je fais une crise de panique. Comment as-tu pu penser que monter dans ce danger stupide était une bonne idée? Allez, ne t'en prends pas, moi. Fais-moi confiance. Mon grand-père m'a appris sur un truc comme ça. Ferme les yeux. On voit une plume qui flotte devant toi. Tu vois? Ok. Ta respiration fait flotter cette plume. Continue à respirer calmement. Inspire, expire. Calme. La calmitude. Et ben voilà, tu vois, ça marche à tous les coups. J'avoue, mais je sais pas comment le truc qui monte a pu refonctionner derrière. Mais c'est pas grave. Allez, prends l'air, voilà. Allez, prends l'air. Tu es dans une montagne. Tu te sens mieux? Je crois, merci de m'avoir aidé à me calmer. Comment as-tu su qu'on allait repartir? Oh, je pensais vraiment qu'on était cuit. Ah. Oh mon dieu! Et regarde sur celle-ci. Hein? MDR. Chapitre fini 2. C'était le chapitre 4. Putain, j'en ai fait des fraises. Hein. 29. Ouais, ça va, je suis mort 115 fois. L'édite. Le temple miroir. Ah. Ça sent encore l'arnaque, cette histoire. Oh, regarde un peu cet endroit. Tu as envie d'aventure? Je ne sais pas trop. On dirait qu'il fait bien noir là-dedans. C'est plus un cauchemar qu'une aventure. Je vais jeter un œil et prendre quelques photos. Cet endroit doit être ancien. Théo, attends. Les abonnés Instapix vont se régaler. Lâcheur de meufs. Ça va forcément mal finir, oui. L'arnaque à plein nez. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ça sent le grave arnaque à l'arnaque. Merde. Ah mais c'est pour une fraise. Et attends, c'est que pour des fraises. C'est une arnaque là. Attends une minute. Fuck.
Là, on est pas du tout d'accord. Je vais pas faire ça. Ah, viens. Oh, la vieille branche. Mais putain, la même. C'est pour une fraise, hein, on est d'accord. Ils sont dessous. Je suis un connard. Oh là là. Oh là là. Attends, y a... Oh là là. Ah bah oui, ici la porte elle est là-bas. Hey, open the door. Je vous l'avais dit que j'étais un génie. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait là, Théo? Théo, te voilà. Madeline, salut. Et que fais-tu à l'intérieur d'un miroir? Il dirait plutôt que c'est toi qui es dans le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh sacre bleu, eh bien je faisais un selfie du miroir tranquillement. Tu vois, du genre, c'est le gars, Théo, dans un vieux temple, rien de méchant. Bien, hashtag bien erreur. Et comme je me suis réveillé, j'étais tendu au sol. Ça ressemble à quoi, là, où t'es? Comment puis-je te trouver? C'est très sombre et bizarre, il y a... Attends, il y a un truc là-bas. Je me sens très tenté de fuir. Sois pris d'un tas de cœur. Ok. Ok. On voit que dalle, hein. Ah. Ok. 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 Ah, c'est lui. Une arène. Il doit y avoir une dingue, ça. Oui, c'est ça la dingue, c'est ça la dingue. Ça. Ok. Oh putain, la dingue, elle était là. Ah. Scheiße. Sacré maîtrise utile du tearing. Ok, donc il y a la boue. On se partira là-bas, ouais. Ah, ni de qui. Bah oui, mais elle est où la qui? Je suis que c'est fermé là. Ah, y a des dingues là-haut. Y a des dingues là-haut, à mon avis, ce qu'on cherchait là-haut. Une fraise, je m'en mets pas les couilles. Oh, encore pour une fraise, bordel! C'est
sale bail, hein, sale bail quand même cette histoire. Ni de qui moi. Il y a un miroir. Alors attends. Pour une fraise. Non, c'est impossible. Ok. Des fraises. Ah mais attends, c'est impossible. Seul bail, hein. Et oui, putain. Ok. Je n'y arrive pas. C'est mindfuck, mais j'y arriverai. Quel connard. Oh. Oh. Voilà. Pas sûr, ça. Pas sur ces longueurs de temps. Et bonjour, le trix se fout. Le T-Rex se fout. S'il faut, je vais qu'est-ce que je vais faire. Un génie! Un génie, je vous le dis! Pour une fraise, putain! Mais c'est juste pour bas les couilles! Que ça soit la suite logique des choses. Je
ça va être beaucoup trop relou cette histoire, je pense. Putain, tout ça pour une fraise, quoi. Attendez, il doit y avoir un truc, c'est pas possible au-dessus, là. Je refuse de croire d'avoir foutu tout ce chemin pour une fraise, quand même. Oh, vas-y, en plus, ce truc. Je repasse ça. Et c'est impossible en fait. Je regarde déjà si ça me propose. Oh ouais. Non merci. Merci mais non merci. Merde alors, putain, mais c'est pas vrai. C'est impossible. Mais non, putain, je suis coincé. Bon, arrêtez de me filer des fraises. C'est le même en plus. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Fais l'effort. Eh oui, je l'ai fait. Il y avait une petite lumière.
Ok. Ok, ok, ok. Putain, pour merde. J'aimerais bien me libérer de cet endroit. C'est à peu près sûr qu'il y avait une douille ici. Sert à rien. On est d'accord qu'il n'y a pas de sortie là. C'est que pour le lol. Je suis perdu. Mais putain, je suis un con. Eh oui, bah oui, c'était sûr. C'était sûr en fait. Ah. Mais allez! Oh, je... Easy life. Oh putain! Ok, d'accord. Putain! Oh, je touche! Ah, mais putain, c'est timé au poil de cul là! Et je suis un con. Oh. Il faut que j'enchaîne direct, mais pas trop tôt. Mais non!
un fucking genius. Et bonjour. Le scénario. Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait, Théo ? Je crois responsable. C'est mignon. Ma chère, je t'avais pourtant bien prévenu. Qui est ta grande racine ? C'est pas de mettre sur, ça sur le dos. Je comprends toujours pas. C'est la montagne qui m'a donné ce corps. Et je ne suis pas la seule chose effrayante qui vit dans ta pauvre tête en vrac. Tu n'aimes pas ce que tu vois ? Quelle surprise ! Tais-toi ! J'ai essayé de parler. Regarde dans le miroir, tout ça est à toi. Ce temple ne fait qu'amplifier le pouvoir de la montagne. C'est toi qui contrôle ici, pas moi ! Je ne te crois pas. Une partie de moi, pourquoi vouloir me faire du mal ? Pauvre Madeline, toujours la vie douce. Je te protège comme un bébé. Et c'est pour ça que tu me hais par à volo, et tu le sais. Je suis tant ton... si tu te soucies tant de me protéger, pourquoi ne pas m'avoir simplement expliqué ce qui se passe ? Et tu m'as écouté ? Tu m'écoutes jamais. Oh là 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 là, relou. S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Maintenant, tu veux que je te sauve ? Pourquoi agis-tu ainsi ? Sois plutôt à mes côtés, s'il te plaît. Cesse de me faire passer pour un monstre. Je veux vraiment savoir pourquoi je ne t'aiderai pas. Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Tu crois toujours pouvoir gravir cette montagne ? Ta gueule ! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouillerai toute seule. Merde! Ah mais oui, c'est...
Bah oui, bah oui. Uno! Attaque cette merde, bon. Non, alors là, je suis au cri au scandale. Mais merde, bouffe-le ce truc de merde. Oh, je suis scandalisé. Putain, il avait bien réussi la première fois, j'ai pas compris qu'il était bien. Wesh. Attends, il mange quand je fais mon pouvoir. Et bouffe là, putain de pierre là! Non! J'ai comme un connard. Il se passe quoi dans ma ville? Dans ma tête, pourquoi est-ce si hostile ces choses me pourchassent? Je suis une intruse dans mon propre monde. Tao est enfermé quelque part ici à cause de moi. Si je cède totalement, le temple le laissera peut-être partir. Respire. Tout ceci vient de ce qu'il y a en moi. Réveille-toi, Madeline. Pense à la plume. Tu peux sauver Tao. Après, moi, Tao, je m'en fous. Je m'en fous. Non! Non!
sais pas si ça servait à quelque chose. Sans doute pas, parce que à ma recherche. Oh, c'est pour une fraise ça. Merci, je t'ai trouvé. Madeline, waouh, je suis content de te voir. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai juste été prisonnier de ce monde de trucs en cristal pendant une éternité. As-tu l'impression que cet endroit te connaît mieux que je te connais toi-même? Putain, j'arrive plus à faire l'accent. Ouais, je suis tellement gêné que tu aies vu cette facette de moi. J'ai essayé de t'arrêter. J'espère que ce selfie en valait le coup. Le selfie vaut toujours le coup, l'ami. Je ne devrais pas m'énerver, ce n'est pas ta faute. Je suis contente que tu n'aies rien, mais tu es enfermé ici par ma faute. Et maintenant, ce temple te montre comment je suis vraiment. Je suis horrible. On est ensemble sur ce coup-là. Ne te fais pas, ne fais pas comme si tu étais responsable de tout. Ok. Oui. Tu ne m'as pas enfermé dans ce cristal. C'est vrai, ces monstres viennent de toi, mais le temple se forme autour de moi aussi. Je peux le sentir. Ses yeux m'observent. Et ce cristal vient de moi, je le sais. J'aime pas réclamer, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, là. Ok. Je suis là pour t'aider. Je vais te pousser hors de cette chose et on s'échappera ensemble. Dès que j'aurai trouvé un moyen de te rejoindre. Madeline, tu es mon seul espoir maintenant. J'ai confiance en toi, vraiment. J'espère que tu n'es pas une erreur. Merde, pardon. J'espère que ce n'est pas une erreur.
Mais non! Casse-toi! Ouh putain! Ah la pute! Mais putain! Mais je fais n'importe quoi! Mais non, alors là! Pourquoi j'ai fait ce vieux saut de merde? Je ne sais pas! Enfin trouvé! Je savais que tu réussirais. Ça n'a pas été très simple. Ces monstres viennent-ils vraiment de moi? Madeline, c'est une question légitime. Je serais ravi de discuter de la façon dont les monstres sont liés à ton fort intérieur. Mais pour le moment, mon propre fort intérieur est plus que fatigué d'être prisonnier de ce cristal. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je vais faire. Je vais te faire sortir. Et bim! Bien, c'est à mon début, mais ce cristal est comme une expression de mon énergie psychique négative ou un truc du genre. D'accord, mais comment on le casse? Si je savais pourquoi je me suis enfermé dans cette chose, je pourrais peut-être m'échapper. Mais je ne sais rien. Et je ne crois pas pouvoir commencer à comprendre tout ce qui... tant qu'on reste bloqué dans cette dimension cauchemardesque. Je déteste dire ça, mais tu vas peut-être devoir... Théo, n'y pense même pas. Il n'est pas question que je t'abandonne. Bien sûr que non, t'as pas intérêt à m'abandonner ici, connasse. J'allais dire que tu allais peut-être devoir me transporter. Ah, oui, je peux faire ça, oui. Oh, Cimer le gros. Ne parle pas, Jean-Michel. Ouais, pardon.
first try. Mais tu veux pas choper l'autre plutôt là? Ah la pute. Aïe aïe aïe. Au secours! Salut Vacadégra. Ah la putain. Allez, vas-y. Non! Oh putain, j'ai flippé ma race. Mais qu'est-ce qu'elle me fait cette conne? Putain, je l'avais fait, enculé. Ah bah c'est lui qui l'a poussé. Il a pris le chat monceau. Ah la connasse. Je sais pas pourquoi je rigole. Mais allez. Mais c'est pas vrai. Mais attends, c'est un sketch là. Mais putain, le même truc à chaque fois. Mais non! J'ai fait le son en bas, putain. Je sais pas pourquoi je tente ce trix de merde en plus. Ça pas fait. Ça s'est passé. Ah
Et rentre dans le trou! Ne parle pas, Théo, ne parle pas là! À ton esclave là! C'est un putain de génie! Ah d'accord! Oh putain. Ok. Ok, oh putain. Je suis absolument pas stressé. D'accord, ok, j'ai la guille. Et quoi, ça touche quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel lâche-moi! Mais putain! Ah putain, d'accord, ok, j'ai... Non, c'est que j'ai pas du tout. Il est tombé ce connard. La tête dedans, hein. Et allez! Mais c'est une tête chercheuse, putain! Oh, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'embarque partout! Mais putain, je vais dedans! J'en peux plus, putain! Oh putain, comme un milliard de fois je suis mort comme ça. Oh
Mais c'est pas vrai, putain, il y a une trage à pas prendre, je la prends. C'est compliqué. Oh bah oui, mais j'aurais dû le faire comme ça depuis. Mais bon. Oh putain, c'était chaud. Je suis légèrement nerveux. Allez Micheline. Voilà. Allez Théo, t'es libéré de ton mal. Et là, le chapitre est fini. Finito terminado. Bon, on va peut-être s'arrêter là aussi, là, parce que là, je commence à être nerveux. Et oui, comme qui dirait... C'est moi le boss. Ah, les fraises, c'est pas ça. Hein. 132 fois, ce qui me paraît correct. Allez. Céleste, c'est très bien. Mais c'est très nerveux. Hein. Non, mais quitte. Interlude. Bon, bah, c'était pas mal. C'était très nerveux, mais c'était pas mal. On va peut-être s'arrêter là, du coup, hein. Je sais pas, putain, y a pas beaucoup de monde, hein. Je sais pas ce qui vous arrive, c'est le jeudi soir, c'est ça, c'est la teuf. Allez, moi, je me casse, hein. Allez, salut, hein. Au revoir.